لون زول في لاكونت مرحبا يسون ثمانية لي سنا نتدار بوان تي في إذ لسنا نوتر كولتور اي بونجور و بونسوار بيان فينو ان نوتر ايميسيون إذ لسنا نوتر كولتور دو لا شين تدار سنا بوان تي في Aujourd'hui, on a l'honneur de vous annoncer la naissance d'un groupe Chabi. Ils vont chanter dans les deux langues, l'algérien et le Kabyle, et c'est toujours une richesse qu'il y ait un nouveau-né dans le monde culturel ici à Montréal, ici au Québec, ici au Canada, de la diaspora algérienne. Alors, ce groupe, il s'appelle Nasraf, nos invités Achour Zenouten, bienvenue, Nassim Gadouche, l'Aslemet, bienvenue. Donc, nos deux invités, ils représentent un groupe, le groupe Nasraf. Nasraf, j'espère que je le prononce bien, qui est composé de 9 artistes. Donc, on va parler de tout ça dans un moment. Donc, c'est encore une fois, c'est toujours un plaisir de voir nos artistes travailler, produire, créer et aussi, surtout, entretenir la mémoire d'un patrimoine, un patrimoine riche. Dans cette Algérie malmenée aujourd'hui, il faut le rappeler encore, mais quand même elle a ses enfants, elle a ses femmes et ses hommes qui sont comme des gardiens du temple, le temple de la mémoire, de la culture et de la transmission. Donc le 27 novembre prochain au château, ici à Montréal, à partir de 20h, il y aura un gala. Et ce qui est extraordinaire, c'est un gala qui va lancer la naissance de ce groupe. Et en même temps, c'est un gala qui va renouer avec la scène culturelle. Après le confinement, après le Covid, mais on ne peut pas dire après le Covid, il est toujours là, mais quand même après le confinement extrême, là, on renoue avec l'espace public, avec la culture, avec la scène, avec les spectacles. Et qui n'en a pas envie? Tout le monde a envie de sortir, de rencontrer du monde, d'être en contact avec les artistes en présentiel. On peut rappeler qu'il y avait des spectacles virtuels, mais quelque part, c'est des spectacles qui n'ont pas d'âme. Quand on voit l'artiste sur scène, et l'artiste lui-même, il voit le public en face de lui, son vis-à-vis, ça, c'est toute une dynamique, c'est toute une interaction physique, complicité dans l'échange, et aussi dans les encouragements, c'est vivant. Voilà, un spectacle vivant. Donc, on commence par Achour Zenouten et Nassim Gadouche. Encore une fois, ils représentent le groupe aujourd'hui dans cette émission. Un groupe composé de 9 personnes, dont une femme, Myriam Sassi. Donc, on va parler de tout ça. Pour commencer, parlez-nous un peu de cette composante. On peut commencer avec toi, Nassim? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour l'émission. C'est un honneur pour nous de venir ici et surtout de participer à notre culture pour qu'elle continuera toujours, en espérant. Donc, aujourd'hui, on est venu pour annoncer notre groupe Nasraf, qui est une idée que ça fait longtemps que ça tourne entre nous. Parce que nous, on est une bande de copains qu'on joue, ça fait depuis 10 ans, on joue ensemble. Les amoureux du Chabi. Oui, moi personnellement, j'ai adhéré à pas mal d'associations. Okay. J'ai même créé pas mal d'associations, dont même l'association qui existe maintenant, le Chabi. Maintenant, on a senti le moment que c'est maintenant qu'il faut qu'on lance notre projet, notre groupe. Et on est allé de l'idée de Nasraf. Nasraf, c'est le rythme qui vient après la touchia dans le Chabi. Donc c'est là d'où vient le mot Nasraf. Nasraf qui signifie le mouvement rythmique,
le début ou le départ. Donc le départ, ça nous a influencé, vu que nous sommes tous partis. On a fait le premier pas du départ pour venir et s'établir à l'extérieur, à l'exil. Donc ça nous a encouragé, nous a donné l'idée pour le nom Mensalaf. Et comme j'ai commencé à dire, notre groupe se compose de 9 personnes, dont Rafiq Abdeladim qui est connu, c'est très connu aussi dans le domaine artistique à Montréal, qui est notre directeur artistique. On a aussi avec nous le Youssef Guérim, c'est un très talentueux percussionniste et c'est un plus pour nous ici au Canada. Il s'est produit beaucoup en Algérie, c'était quelqu'un de vraiment de professionnel. On a avec nous le récemment qui est venu, le virtuose Dahman Ben Dahman au violon, et qui ne le connaît pas. C'est vraiment, ça nous a vraiment fait une richesse dans le groupe et une force. On a aussi Faisal Besni, c'est l'un des meilleurs banjonistes qui existait ici à Montréal. Le jeune, c'est un jeune qui est en train de monter, mais ça n'empêche pas qu'il a joué avec les professionnels ici, comme Rab Hasma, comme pas mal de chanteurs qui viennent ici par les organisateurs. C'est Ryan Cowan au piano, au clavier, piano. Et c'est ça, c'est la composante de l'équipe. Et puis notre chouchou, comme on dit, ouais, notre bassiste, là il va être avec une contrebasse, c'est Mourad Ben Fadil. Que sa présence est essentielle dans notre groupe aussi. Et puis les 3 chanteurs, on a Mariam Sassi qui a déjà fait avec nous, moi et Ashour Zanouten, et Ashour Zanouten ici avec moi, et moi-même Nassim Gadouj. On a fait déjà une soirée chez Abis, ça fait en 2016, qui avait comme titre La nuit du Chabi. Donc déjà on a eu cette expérience, c'est là qu'on a décidé maintenant de concrétiser le projet et de lancer ce projet pour le 27 novembre au Théâtre Le Château. Ashour, ce groupe, c'est quand même le couronnement de plusieurs années de travail en équipe. Vous connaissez depuis un moment, vous pratiquez, vous avez fait des spectacles, peut-être pas tous ensemble, mais graduellement, presque ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter par rapport à ce que vient de dire Nassim, par rapport à ce projet-là qui a mijoté dans la tête de pas mal? Effectivement, je dirais même ça dépasse l'aspect technique et artistique. C'est beaucoup plus, on est un groupe d'amis, donc on se voit des fois, on a animé une soirée, bon, après c'est lequel, à 3 ou 4, on peut animer une soirée. Donc, mais c'était le groupe. Il existe comme je t'ai dit là depuis notre arrivée ici. Déjà, on s'est connus, donc on a travaillé ensemble. Donc c'est ça qui avait donné l'idée, pourquoi ne pas se réunir sur un projet. C'est ça, donc le Saraf, c'est un projet. C'est pas uniquement un spectacle, non, c'est un projet. Donc on projette beaucoup de choses pour l'avenir. Mais ce spectacle du 27 novembre va lancer ce groupe. Exactement. Va faire quelque part sa promotion. Exactement. Et ma question maintenant, c'est quoi l'objectif de ce groupe? Ben, c'est d'abord de travailler la chanson, je dirais, Chabi, que ce soit algérois ou kabyle, promouvoir justement la culture kabyle et algérienne, algéroise en général, ici au Canada. Et puis, créer une certaine dynamique, un certain boom. Ben, on va animer les soirées, on va être présent dans les festivals et tout. Et la question, qu'est-ce qui pourrait vous distinguer des autres groupes Chabi ici à Montréal? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce qu'il y a de ouais. particulier? Ouais. La formation Abin Salaf, le point, c'est-à-dire le point pour l'insert, je dirais, bon, son nouveau tel. C'est dans la musique, bien sûr que tu le sais, je sais que tu le sais, c'est-à-dire... Faut être humble. Exactement, humble et vraiment, parce que être, sinon tu connais rien du tout par rapport aux gens qui ont atteint un certain niveau
On voit la musique, c'est des études, c'est des doctorats, des tâches, des recherches, c'est toute une histoire. Toute, c'est immense. Oui. Ouais, c'est immense comme affaire. Donc, il y a Chine, ça, par rapport à ta question. Donc, on y a, c'est-à-dire, الشعبية كاينين والقيمة اللي كان الشعبي اللي كان كاري العبيد على تراديسيونيل وي اون غاردي لام مي اون ايسي ديفلوبي ان بيبي لا تكنيك اون ميلونجي ان بيبي افيك دي فلامينكو اون ميلونجي ان بيبي افيك دي سونوريتي دونك فوز افي راجوتي فوتر كاشي ان فو اكزاكتومون اكزاكتومون دونك سي سا ا بو باري كي دونك يا ان بتيت سبيسيفيسيتي كيك بار ا سو كومبلا سا سي Le mot exact, ce qu'on fait, nous, c'est pas le Chablis classique en lui-même, c'est du Chablis contemporain. Donc, on essaye de traverser du flamenco vers et migrer pour voir la musique latine. Il y a des chansons, ouais, des chansons dans le manouche, le jazz manouche. On a des chansons kabyle, jazz manouche. C'est sûr que les gens vont adorer. On touche du jazz aussi, on touche de la musique latine. On essaye de faire un maquillage. On n'est pas les premiers à faire ça, c'est sûr. C'est... Mm-hmm. Mais nous, on essaye de continuer dans cette lancée pour, parce qu'on n'essaye pas de toucher uniquement que notre communauté. Nous, on veut s'adresser à d'autres communautés. On veut aller petit à petit, mais on essaye de voir grand en même temps. C'est ça qu'on essaye de faire. Si j'ai bien compris au départ, là, pour le moment, c'est des reprises retravaillées. Oui, exactement. Ou revisitées. Ou... Il y en a même, c'est des reprises qui sont peut-être intégrales. Il y a juste des changements au niveau de, comment dirais-je, le dispatch musical et tout ça. C'est surtout ça. Mais surtout, pour le premier spectacle, on essaie de faire un hommage à plusieurs chanteurs qui sont très connus dans le domaine de la chanson charlite, la culture algérienne, comme Matoub, comme Marzahi, Laïa Hamonga, comme Lahashmi Grouabi, comme Nashirifa, comme Fadel Atziria, comme Edir, Bia Rahmotani. On essaie de faire le tour et de faire un beau hommage et le rendre de la bonne manière. C'est qu'on prend des choses qui ont été faites et on essaie d'ajouter, d'apporter des touches à notre façon. L'hommage, vous rendez hommage à ces artistes dans quel sens? Parce que vous reprenez leurs chansons, parce que votre groupe travaille là-dessus, c'est quand même la matière, oui. La matrice même. Oui. Mais qu'entendez-vous par leur rendre hommage? C'est quoi? Leur rendre hommage, c'est pas uniquement en rejouant la même musique, pour reprendre la même mélodie intégrale, mais aussi il faut le rendre bien leur hommage parce qu'on mise sur la qualité. Parce qu'il y a beaucoup de reprises, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas vraiment de qualité. Parce qu'on ne peut pas se mentir, la qualité n'est pas là. Nous, on essaie de faire et de miser sur la qualité. Et on a avec nous des artistes qui sont vraiment... Quand ça sur la qualité, sur le rythme, très exigeant. On essaye de faire l'unisson, d'être correct le plus possible, parce que pour représenter quelqu'un déjà, il faut que tu sois à la hauteur pour jouer sa musique déjà. Donc, sans oublier, Nassim, excuse-moi, Jamil, il y a quelque chose de très important. C'est que s'il est vivant jusqu'à présent, c'est grâce aux gens qui lui rendent hommage à chaque fois. Il y a des reprises, on l'écoute. Donc, c'est une façon même de transmettre la chanson que je dis kabyle, chaabi, algéroise, de génération en génération. Parce que Hadad Songkri, qui fait la mon famille Maran, ça a des jeunes et tout. Donc c'est une façon de leur montrer ce qu'on a. Le fait de reprendre certaines choses. Le livre qui sont branchés sur la musique, je ne sais pas, la langue américaine. Donc on essaye de leur montrer ce qu'on a comme culture, comme chanson. C'est, le but essentiel, c'est ça. À part l'aspect technique, là, s'il y a un aspect culturel aussi. Et donc, les reprises retravaillées à votre manière, c'est une façon d'accrocher aussi la nouvelle génération. Oui, exactement. Évidemment. Parce que surtout, les jeunes qui sont nés ici, ils sont branchés sur d'autres choses, sur d'autres modes, sur d'autres musiques. Nous, on essaie de se rapprocher le maximum possible. Parce qu'on essaie que cette culture continue à exister. On veut être
un joueur dans ça. On veut participer, que notre culture ne se perd pas. Et d'ailleurs, puisqu'elle a voyagé dans les quatre coins avant qu'on soit né déjà, peut-être, donc elle existait. Mais nous, on veut continuer à participer à ça. Et il y a aussi la grande question, elle ne tue pas, mais c'est... J'imagine que vous avez quand même vos artistes préférés dans le groupe. Et ces artistes que vous allez reprendre. Mais cette fois-ci, vous allez rendre hommage à certains. Oui, oui. Mais c'est les grands artistes du Chabi qui vous ont marqué, qui vous marquent encore, que vous allez reprendre. Ouais. Lesquels? Ben, on va pas dire tous. Ben, c'est sûr, non, pas tous. Mais c'est sûr que Jamila, Azrael, مثل الحاج كزمان صحضر في بنادم الخوذ ماس دونك ما يقيم هي و نسيت ليكزومبل ديال الفك الدعم ديال الحسن و ديال الرحمه ربي ناصي من عزم با و كاينه سي با باسكو كان كان بار سوبجيكتيفيتي اون فو لو روندر اوماج على شاك فوا تاع ديال نيدنا باسكو زون ترافاي اي زون مارك لي سوار باش نسون كابي يا الجيريان الجيروا اون جينيرال دونك لي بار شي دوف سي سا لي بار ريفيرونس. Quand je cite Younama Al Ouazaro, quand il te chante Yemay Mazar, on va la reprendre. C'est vraiment, c'est toute une émotion, c'est une bombe qui explose. À chaque fois que cela, avec sa voix, déjà avec le manque de moyens, il a pu quand même composer et chanter une chanson en finale avec une telle qualité de travail. C'est quelque chose qui mérite vraiment que ça. Il faut vivre et revivre ça. On chante l'Hasnaoui, c'est pas la peine de l'Hasnaoui, c'est une école du chef. Tout ce qu'il a chanté, ça mérite que ça revienne à chaque fois. Mais... ainsi de suite. On cite Matoub. Matoub, il a fait, la révolution du Djabi. Matoub, il a fait la révolution du Djabi. Et je m'excuse pour le Mozart, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Moi, j'ai entendu à Alger, à une époque, c'était les années 90, il disait, il y a des gens qui disaient, c'est des musiciens et tout ça, il disait que dans le Djabi, il y a trois écoles. Il y a le Anqaoui, il y a le Hasnaoui et puis il y a le Matoubi. Oh oui, je l'ai entendu à Alger. Ah ben oui, ils sont mieux placés que nous, les consommateurs. Effectivement, ils ont tous révolutionné le Chabi à leur manière. C'est comme si on parlait du cas de Galwabi ou de Chaou. Ouais. Parce que avant la chanson Chabi était Qasaïd, c'était très lent, de génération en génération il y a des gens qui décrochaient. L'origine du Chabi, c'est la musique soufie. Ils chantaient que du madh. C'est juste des qasidat qui sont trop longues. Du madh, c'est parler du prophète. Généralement, toutes les qasaïd étaient comme ça. C'est après, dans les années 70, que ça a commencé à changer un peu, après la venue des virtuoses qui écrivaient à l'époque. Et celui qui a fait vraiment la révolution dans le Chabi, c'était Mahboubati Allahyarhamou et Mohamed Al-Badji. C'est eux qui ont fait tout révolutionner avec la venue de Boujma Al-Anqis aussi. C'est ça que ça a commencé à prendre un autre chemin. C'est carrément une sorte de démarcation. Oui. Les textes sont courts. C'est de la chansonnette, ce qu'on appelait à cette époque-là de la chansonnette. Mais par rapport à la nouvelle génération, les gens s'identifient parce qu'on chante l'émotion. On chante la vie, on chante les rapports, les rapports sociaux, parce que quand on écoute Dahmen, c'est un psychologue. Les problèmes sociaux, il les a tous ramassés. Donc, Chaou et Galwabi, c'est incroyable. C'est déjà l'interprétation, il n'y a rien à dire. Et en même temps, c'est des chansons tellement courte, légère, mais quand même qui avait un discours, un message. Oui, il y a toujours un message derrière. Mais c'est pour ça, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je les vois pas comme des chansonnettes. Ouais. C'est vraiment le côté moderne du Chabi. Exact. C'est le côté moderne et accessible. Ouais. Parce que parfois, le Qasaïd, tu écoutes, à part les connaisseurs,
déjà c'est pas évident de saisir déjà à base de Chabi, il est venu parce que l'Ondalo était trop long, était aristocrate. Oui, c'est pour certains. Une classe sociale. Il faut que tu sois une classe sociale bien définie, ou même les gens s'ennuient, on va dire. C'est ça, il y en a qui ont dit c'est trop long. C'est là que le Chabi est venu. Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, quand il a fait ça, il avait beaucoup de détracteurs. Les gens disaient qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de casser l'Ondalo. Ouais. Mais lui, avec son intelligence, il a touché le peuple. Lui, il a su comment répondre. Moi, j'ai. Comme il a dit le mot qu'il a dit, l'employé a dit, j'ai ajouté Khanaf Zidan, ça veut dire il a décoré le Khanaf, on dit Khanaf, c'est quelque chose de beau dans le visage. Je rejette Khanaf Zidan, c'est comme ça qu'il a répondu. Après, c'est là que l'évolution a continué à avoir jusqu'à maintenant. Maintenant, on est obligé aussi de suivre les jeunes, ce qu'ils veulent. On est obligé, mais on essaie toujours de ne pas toucher l'originalité de cette musique. Mais, les défis de votre groupe, comment accrocher les jeunes de la communauté et aussi comment interagir avec les autres cultures, avec les autres... C'est un grand travail qui attend, oui, c'est pas facile. C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme, parce que ça devient une grande responsabilité. Quand tu essaies déjà de préserver cette culture, mais en la pas modernisant, parce qu'il y a beaucoup qui ont fait ça. Nous, on n'est pas en train de créer, on n'est pas encore arrivé là pour créer quelque chose. On essaie de garder la lancée, mais quand même, on ajoute des rythmes par là, des quelques notes par là. Maintenant, il y a même des nouveaux qui écrivent les chansons d'être en Algérie. C'est des génies dans la chanson. Moi, je te parle d'un quelqu'un comme Khaled Sofiane. C'est Mahboubati de notre siècle. C'est incroyable ce qu'il écrit, et surtout ses compositions qui sont difficiles. C'est pas tous les chanteurs qui peuvent chanter ces chansons. Parce que c'est... Vraiment, je le salue d'ici. J'espère qu'il va écouter l'émission. Mais c'est ça qu'on veut. Quelqu'un comme ça, des gens comme ça, c'est avec ça qu'on va avancer. Et même nous, parce qu'il nous donne des conseils, il nous aide. Je ne cache pas, il y a beaucoup de chanteurs qui nous aident d'Algérie. Il y a même mon oncle, Didine Caron, que je salue. C'est un professionnel de la chanson Chabi. Il nous aide avec les conseils. Il y a Kamel Aziz aussi. C'est des pointures dans le Chabi. Mais ils sont là, ils nous aident, ils nous poussent. Et j'espère qu'ils seront avec nous l'année prochaine. Et on va peut-être, pourquoi pas, les ramener ici, Inch'Allah. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, on a inversé. Personnellement, j'ai inversé un peu la rencontre. Okay. Maintenant, je vais demander à Nassim de se présenter. C'est qui Nassim et comment, c'était quoi le déclic avec le Chabi? Est-ce que tu as baigné dans cette atmosphère ou tu as un jour découvert le... Donc, je jouais plus, il aimait Dahman Harachi, il jouait du Dahman. Il y a aussi mon oncle Didine Caron qui est très connu en Algérie, c'est dans la chanson Chabi. Et celui vraiment qui m'a... Influencé? Qui m'a influencé, c'est Didine Caron, c'est lui, c'est mon oncle, oui, parce que depuis mon jeune âge, il m'a emmené avec lui. Et son intelligence, c'était qu'il m'a fait que je pars avec lui comme technicien de son. Ah. J'étais d'ailleurs à l'époque, peut-être j'étais le plus jeune technicien de son qui était à l'époque avec lui. Donc votre oreille s'est développée Sans le vouloir, c'était comme ça. Chaque jour, j'avais des tonnes d'informations qui rentraient dans ma tête. Et après, mon oncle, il a fait aussi une petite école à Cuba. C'était à la meilleure époque des maisons de jeunes. Mm-hmm. C'est là que j'ai intégré le groupe, avec du piano, pour commencer. Okay. Avec piano. C'est ça. Il y avait aussi mon grand-père, il est toujours vivant là. Quand il venait à la maison, il me dit, voilà, c'est comme ça. Là. C'était des cours vraiment, vraiment spécial. C'est ça. Donc j'étais dans l'environnement complet de ma famille, c'était dans le Chabi. Dans le Chabi, style Anqawi, Amar Zahi, c'était vraiment ça.
Après, moi, je suis entré dans le conservatoire à la Casbah. Oui, j'ai fait un peu de conservatoire à la Casbah. Malheureusement, je n'ai pas resté beaucoup. J'avais beaucoup, j'étais à l'époque dans les études, dans le football avec le club de Cuba. J'avais plusieurs, ouais, plusieurs choses. Avec, aussi travaillé avec la Sonne. J'ai continué. J'ai travaillé beaucoup d'années avec mon oncle à la Sonne. C'est pour ça que je connais pas mal d'artistes là-bas. Que je salue, c'est ça, c'est tout mon environnement était dans le domaine Chaabi. Donc mon premier mariage, d'ailleurs que j'ai animé à l'âge de 16 ans, c'était à Azrara, pour la famille Medeni à l'époque. C'est eux qui m'ont sollicité, parce que j'avais un ami aussi de leur famille qui était percussionniste à l'époque, Refir. Donc on est monté, c'était vraiment, parce que moi, à la vraie dire, ils m'ont eu, parce qu'ils m'ont dit, c'était juste dans un salon entre nous, j'ai dit ok, on va y aller. Alors j'ai amené tout mon orchestre, et on est allé. Là je me retrouve dans le stah, comme à l'ancienne, le bachon là, où il y a plein de monde à l'intérieur, je dis c'est quoi ça? C'est sérieux. Non mais je commençais à trembler, mais ça va, dès qu'on a commencé, c'est le track est parti. Il y avait une ambiance folle, je me souviens là-bas. À l'époque, il y avait même un chef de la musique, Chaabi, là-bas, que je ne connaissais pas. Il m'a appelé, il m'a félicité, il m'a donné des conseils. Il m'a même dit pourquoi tu ne viens pas au conservatoire? Là, tu as des capacités à l'époque. Je lui dis merci, je suis déjà avec un groupe, tu sais quoi. Ouais, enfin, parce que moi, d'origine, je suis trop timide là. Donc je parle et je me réserve un peu. Mais c'était un très bon souvenir. Donc tout ça, ça m'a aidé pour et continuer. Et donc Nassim, chanceux que tu es, parce que ta famille t'a encouragé. Ouais. C'est pas une, ta famille n'a pas été contre non, l'art, non. Ni contre le fait que tu t'intéresses à l'art. Ouais, non, jamais. Donc c'est, il y a une complicité, ils t'ont encouragé. Encouragé, même quand ils ont vu que j'avais des capacités, mon premier mandol, c'est Baba Rai Harbi Rahmouli Shalahouli. C'était un mandol espagnol à l'époque là. C'était un cadeau parce que pourquoi? J'ai réussi à consolider musique, sport et études. Donc, j'ai réussi mon bac. Si tu avais laissé tomber les études. J'ai réussi mon CAPA, donc j'ai avancé. D'accord. C'est ça. Super. Donc, c'est ça. Ah, ben, chanceux que vous êtes. Donc, Achor, Nassim a été chanceux sur tous les plans. Hein? Alors, le parcours de Achor Zenouten. C'est quoi votre histoire avec la chanson, la musique, l'art et le Chaabi en particulier? C'est un peu diversifié, c'est un peu compliqué, c'est un peu... C'est à l'opposé de Nassim. J'ai commencé à animer des soirées, mon Dieu, c'était déjà les années 90 là. J'ai formé le groupe Moucha, qui a été connu, même dans un abri. Alors, on a animé des soirées, on a accompagné des chanteurs. Écoute, j'ai travaillé avec Dahmani Blaïd, je sais qu'il est malade, je sais pas. J'ai travaillé avec. J'ai eu l'honneur même de connaître le Smith Khan, le Sid Msaouti, j'ai appris un petit peu, je t'ai horsé, je t'ai habité. J'ai travaillé avec pas mal de chanteurs, beaucoup. Donc, on a accompagné des chanteurs. En même temps, je chantais, je chantais. Mais qui laisse mieux vient, c'était vraiment la guitare. Il faut commencer à se faire un peu. Après, je suis allé à l'université. J'ai eu la chance. Mais là, de Brahim Taïb, qui est un ami intime à moi, avec Brahim, c'était la partie Célia, le maestro. Donc, on a commencé à. Puis, je suis allé à la Skimbere. Que je suis allé. À un moment donné, j'ai même formé un groupe vocal fait d'Afrique. D'ailleurs, par le témoignage des gens à l'époque. Il n'existait pas un groupe vocal polyphonique. À chaque fois, il y a des filles, avec une polyphonie. C'était vraiment magnifique. Donc, par rapport à Chaabi, il y a des Chaabi, le gospel, il se résume, c'est très simple.
كاين لو كان ماشي مع طب حنا راه واش عندك بالك سمي صدري مع طب دا تكنيس دير دي بينتا يبدا كلك زالبوم خاص يدير لها في صباطي لا باسيتو مي يا ان تي بونجور ما ريان يا في لام دي شابي على الانترنت ابي تشكر لك الايفون من بعد فدعيني عينيني لوسي كلك بار كراس كراس معناتو ثورا بري بارابور لي بدو كالكينو كم دينا سميت بلاد الكينيا ما تقصرش تعطيك بعيد تقصي عمي شم ديك الشعبية ولا حمل شعب من بعد ولا سي ناس عيد حماس تاع باسي زيكس رازني يعني مي وسي غير اصلا ديرو لاتيرونس كي اكسترا اوردينير لي عمي سا سالي زوم او ماتو بدا بيان سور سي بنازم حمل سي زي يعني مي سي نون لي زوتر جي ديكوفر فرونشمون باسكو زي كينيا سي بوكو بليس في الاول سي بو سي با مو سي بوكو بليس تاع جيتار سي دي زاربيس دي شونسون انغاجي بيان سور سي سا دي دي كيتس بلاك مي كاد النيض سي تي با فاسيل Mais Dani, il faut dire aussi que Mato, il a réconcilié les Kabyles avec le Chabi. Exactement. Parce que on peut pas nier qu'il y a des tensions linguistiques, hein? Ouais. Il y a des tensions linguistiques. Mato va réconcilier les Kabyles avec le Chabi et les autres Algériens qui ne sont pas Kabyles. À s'intéresser à ce phénomène qui s'appelle Matoub. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que Matoub, il a rajouté une touche par rapport au discours, le message. Oui. Le message, il a transformé le Chabi en chant engagé. Et on est vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, oui. Là, parce que quand j'entends Ahmed Zahi aussi, il a un discours quand même... Mais... Tu entends un bouc d'Aïa qui est à l'époque où tu es toute la fermeture qui habite Didal Sultan Aliya. Ouais, exact. Mais le discours de Matoub est très direct. Il est direct, c'est pas subtil, c'est pas implicite. Noir c'est noir, blanc c'est blanc et c'est comme ça. Ouais. Donc, vous, maintenant, vous vous situez où dans toute cette panoplie? C'est qu'il y a. Des textes anciens, il y a des textes de transition, et maintenant il y a une autre génération qui écrit pour le Chabi du 21e siècle. Vous êtes du 20e et du 28e. Ce sont des deux siècles. Okay. Donc vous vous situez où dans tout ce monde-là? Est-ce que vous allez conjuguer tout ça, ou vous allez encore rajouter quelque chose? Là, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à... Je parle pas de... Je suis toujours dans l'esprit de reprise. De reprise, oui. Oui, toujours dans l'esprit de reprise. Donc, comme on dit, c'est... Il faut que le chanteur, déjà, choisisse son texte qu'il veut le jouer. Parce que pour chanter une chanson, il faut que tu la sens. Il faut la sentir, si tu la sens pas, tu vas tu peux jouer n'importe quoi. Tu n'as pas d'âme. Mais si tu n'as pas d'âme, elle ne va pas sortir. C'est vrai. C'est comme, d'ailleurs, je crois que c'est même la même chose pour la chanson. Pour la chanson engagée ou la chanson là, pour le moment, on n'est pas rendu là, exactement, effectivement. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande déjà que les gens te connaissent. Ouais, pour commencer. Faut que tu aies un grand public. Pour bâtir un groupe. Parce que tu ne peux pas chanter une chanson engagée pour toi. Là. Il faut déjà gagner le public, gagner l'esprit. Mais les gens savent déjà nous où nous sommes situés déjà. Ouais. Ils savent notre partie, il est où. Donc c'est une question de temps. Moi, je dirais, c'est une question de temps pour arriver là. Ma question, bien sûr, maintenant, le groupe, il vient de naître. Vous êtes dans le processus de reprise et de... Oui. Et de... Rana, là, vous avez rajouté... Maquillé, un peu. Donc, vous rajoutez votre cachet, votre signature. Mais est-ce que vous comptez un jour avoir votre propre répertoire? Exactement. Ça c'est donc, normalement, nos prochains spectacles. Ça serait notre répertoire. Parce que un jour, il a ses chansons, il a ses compositions.
Moi aussi, la même chose. On a aussi des gens qui nous composent et qui nous envoient des choses neuves, qu'on y travaille doucement et tranquillement. Donc, ça serait la prochaine étape à faire. C'est normal, parce que tu ne peux pas continuer toujours dans les reprises. Wow. Une reprise, une fois, un spectacle, c'est bon. Ou après, peut-être, au lieu de faire 8 reprises, tu vas faire peut-être une dans tout le spectacle. Parce qu'il y a des fois aussi, il ne faut pas oublier que moi, j'ai beaucoup animé ici les fêtes de mariage ici. Le public, généralement, pratiquement chaque fête, il te demande la même chanson. Malgré que tu ne l'aimes pas, mais tu es obligé de la chanter parce que le public demande, tu dois satisfaire le public. Donc, il y a aussi le public, il faut qu'il s'habitue à écouter les nouvelles choses. Mm-hmm. Parce que je sais que c'est la nostalgie, c'est normal, c'est des grands chanteurs, des maîtres qui l'ont chanté. Mais il faut que le public aussi s'habitue à de nouvelles choses. On va essayer de rentrer petit à petit avec ça pour gagner la confiance du public dans les nouvelles choses. Et Rafiq, il parlait de ce groupe parce que c'est un groupe qui va chanter en arabe algérien, qui va chanter en kabyle, oui. Et qui n'y a pas de frontières, il n'y a pas de murs, il n'y a pas de... Vous vous sentez comment dans cette... Oui, c'est ça. Nous c'est notre groupe, c'est ça que son but, c'est de rassembler. C'est de voyager sans faire des dégâts. Donc, on peut voyager dans toutes les coins du pays, ouais. ou même après voyager ailleurs. Et on veut pas frustrer une région sur une région ou quelque mm-hmm. chose. Non, nous, notre message, c'est d'être chez soi partout. Oui, c'est moi personnellement, je veux me sentir chez moi là où je vais. Ouais. Sans que quelqu'un me dise non, tu vois, tu pas de cette région, ou tu peux pas rentrer ici, tu veux mm-hmm. pas. C'est même chose pour la musique, que ce soit de l'Oranais ou de l'Anaba ou du Malouf. D'ailleurs, moi ça m'arrive d'animer des fêtes variétés, je chante tous les styles. Je chante du Malouf, je chante du Oranais, je chante. Et ça, c'est la musique andale ou le chabi. Te donne cette possibilité d'apprendre ça. Mais Nassim, si on revient ici à Montréal, au Québec, au Canada par extension, c'est un pays, si on parle du Québec, il est francophone. Oui. Est-ce que vous serez capable un jour de chanter le chabé en français? Bien sûr, on a un projet de ça. Notre projet, excellent. Je peux te citer même, il y a des chansons de Brassens qu'on essaie de les jouer aussi. Okay. C'est parce que Brassens, il est proche du chabi. Donc, on a l'idée. C'est bon, l'idée déjà vient de Rafir. C'est lui. Ouais. Il y a Henri Comasias, il a déjà mélangé ça. Non, mais je parle de nous, moi, je ne parle pas de. Non, je veux dire, il y a des gens quand même qui ont. Oui, oui, c'est ça. Je parle de lui en tant qu'artiste. Non, il y en a beaucoup. Exactement. Ben, juste par rapport à chanter déjà en arabe algérois, je dirais. L'algérois, on va dire l'algérois, tout simplement. Juste, bon, les grands maîtres du chabi, c'est des kabyles. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, nous connaissons, c'est de notre conception, c'est que la musique, c'est universel. Exact. Bon, la langue, c'est juste. Un outil, un moyen de communication. Parce que la musique, ça demande une langue. Mais qu'on le dise en arabe ou en kabyle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand on dit la chanson chabine, je vais me dire par rapport à la langue. Parce que nous connaissons les chansons arabes et chabine. Je fais des chansons de Kabyle et de Chabi, et de Belia, beaucoup plus en arabe, algérien. Mais on connaît, on voit de Nisken Belia, malgré la Kenya, même de Kabyle, il est à Chabi, il est à Tassin. Donc on essaie de conjuguer ça. Oui, il y a du Chabi algérois, mais il y a du Chabi Kabyle. Donc on essaie de conjuguer ça sans frontières, sans complexe, sans ennemis. Mais je suis différent, quand tu as vécu le Québec, ça fait partie de nos projets. On va essayer de peut-être faire des adaptations, peut-être, vous allez rien. Mais il y a des projets quand même, dans ce sens. Excellent.
On a même des chansons ciblées. Ah, très bien. Ah, ben ça, là. Ouais, oui, c'est un groupe réfléchi. Là. Ben, c'est un groupe. On essaie quand même. Vous savez où aller, là. Ouais. Le départ est clair. Oui, ouais. Là, le départ. Là, la maintenant... destination générale. Voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça que le départ est très important. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum de public possible pour qu'il voit de quoi on est capable, qu'il voit que. Qu'on joue de la belle musique qui est bien, bien étudiée et bien traitée à la seconde près. Très bien. Donc, le 27 novembre, il y aura un gala du groupe Nasraf, du Chaabi. Donc, il va chanter en algérois et en kabyle. Et il y aura trois artistes, Achour Zanouten, Nassim Gadouche, Myriam Sassi et aussi tout le groupe, les six autres membres du groupe, tout un orchestre. Donc, qui va animer une très très belle soirée, c'est garanti. Une très très belle soirée au château à Montréal le 27 à partir de 20h. Donc, soyez nombreux, soyez nombreuses à venir. Et aussi, c'est chanter la vie, chanter l'amour, chanter notre unité, chanter aussi notre culture dans toute sa diversité. Alors, sur ce, je vous laisse à la prochaine et merci Achour, merci Nassim. Merci beaucoup. À la prochaine.